Seigneur, sois béni à jamais dans nos vies, mon frère. Amen. Oh, je me sens très bien ce soir. Amen. Est-ce que vous sentez aussi bien ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Oh, le moment le plus solennel, le moment le plus glorieux de la réunion, c'est celui qui vient maintenant. Amen. Je crois que Dieu fera quelque chose, va nous parler ce soir. Amen. On va inviter la parole pour ne pas. Donc, je ne fais aucun commentaire, donc je vais déjà donner le temps à la parole. Amen. Amen. On va inviter la parole avec ce chant. Doux Saint-Esprit. Amen. Amen. Doux Saint-Esprit. Alléluia. Doux colombe du ciel. Reste avec nous. Remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole, nous espérons un réveil en quittant ces temples. Pour la dernière fois, doux Saint-Esprit. Doux Saint-Esprit. Alléluia, douce colombe du ciel, reste avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole, nous espérons un en quittant ce temple. Le pasteur Henri, Lélé, à la parole. Que Dieu vous bénisse. Ah, Seigneur, vous bénisse. Amen. Nous prions. Seigneur, éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ce soir, tu nous as encore prouvé que tu es Dieu. Amen. Non seulement tu nous as donné le sou de vie, tu nous as donné la santé, Amen. Mais tu as permis que nous puissions braver les intempéries. Le temps qui est mauvais pour nous amener dans ta présence. Amen. Et nous croyons, Seigneur, comme tu n'es pas un Dieu qui déclare une chose et qui ne l'accomplit pas, que ce soir tu nous parleras. Amen. Parce que nous nous souvenons, Seigneur, que tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés, Amen. En ton nom, Amen. Tu es au milieu d'eux. Amen. Et moi, je sais ce soir que nous ne sommes pas une réunion de famille. Nous ne sommes pas une réunion politique. Bien que le monde entier soit jonché de campagnes électorales, partout au Cameroun, au Congo, partout, Seigneur. Mais ce soir, nous sommes ici pour ta parole. Amen. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous parleras. Amen. Non, que tu nous parleras, Père, mais tu exauceras nos prières. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici, Père. Nous sommes venus avec empressement pour t'entendre, pour Amen. T'écouter, nous parler. Voilà pourquoi nos cœurs sont ouverts à toi. Et nous déclarons ce soir, et nous disons, Seigneur, parle-nous, nous t'écoutons. Bénis, Seigneur, les joies tout entières. Bénis le pasteur, Seigneur, qui me fait cette gentillesse, Père, de m'ouvrir sa chair. Papa, tu le béniras. Amen. Tu béniras ses projets. Amen. Tu béniras, Seigneur, la vision qu'il a pour cette œuvre. Amen. Quant à moi, Seigneur, je te prie simplement de m'écarter du chemin. De circoncis mes lèvres, car je suis un homme. De circoncis mon cœur, car je suis un homme, Seigneur. Permets donc ce soir que je sois caché derrière la croix du calvaire et que ce soit seul Christ qui soit visible et non moi. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ok, je voudrais ce soir vous remercier une fois de plus. Et un peu ce soir, je remercie le pasteur Billy qui me fait cette gentillesse de me céder sa chair. Vous savez, comme j'aime dire, la chair, c'est un endroit sacré. La chair est comme la chambre à coucher d'un homme. N'importe qui n'entre pas dans la chambre à coucher d'un autre homme. C'est un homme qui vous ouvre sa chambre à coucher, que vient entrer, ça veut dire qu'il y a une marque de confiance. Et je voulais dire merci encore au pasteur Billy
Un homme, je l'ai vu une seule fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, permettez que je vous le dise. On était à ce grand événement de la dédicace et lorsqu'il s'est présenté, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais qu'il y a le Saint-Esprit, et je sais qu'il y a le Saint-Esprit. Et curieusement, c'est le seul dont j'ai pris le numéro et j'ai dit, ton église est où? Et moi voici parmi vous ce soir. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Les choses de Dieu sont comme ça. Amen. Amen. Et ne vous inquiétez pas, je suis un prédicateur qui ne tient pas compte du nombre. J'ai commencé mon église, on était 5. Aujourd'hui, on est très nombreux, étalés dans tout le Cameroun et dans d'autres villes hors du Cameroun. Je veux dire hors de Douala et hors du Cameroun d'ailleurs. J'ai une église à Brazzaville et un autre groupe au Gabon, à Libreville. Donc, ne regardez pas au nombre, non. Regardez à Dieu. À Dieu qui fait le travail. Amen. Après, j'aime dire au ministre, prêchez la parole et laissez Dieu travailler. Amen. Hein, c'est tout. C'est et votre rôle, c'est de croire. Amen. Laissez Dieu faire le reste. Amen. N'aidez jamais Dieu dans son travail. Amen. Si Dieu t'a parlé, laisse qu'il agisse. Amen. Alors, moi, ce soir, je voudrais. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il veut prêcher? Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Amen. Et avant de dire ce qu'il veut dire, j'ai aimé la première fois que je suis entré ici, permettez-moi de vous le dire. Vous savez, il faut dire les choses comme elles se présentent. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne prient plus, il n'y a plus de réunion de prière, parce qu'on a donné ça au pentecôtisme, on a laissé ça aux dénominations, on ne prie plus, on ne veut plus de réveil, on ne veut plus de Saint-Esprit, on a laissé aux gens de leur pourtant, c'est nos choses. Amen. 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 Alors, la première fois que je suis entré ici, j'étais tellement surpris de voir, non, on va prier ce soir. Ah, donc, ça existe encore quelque part. Je crois que c'est le seul qui faisait ça. Mais j'ai vu quelqu'un qui peut aussi consacrer un vendredi soir pour la prière. Chez moi, au Cameroun, c'est ce qu'on va faire ce soir. On prêche un peu et on consacre le vendredi à la prière. Ça fait beaucoup d'années que je le fais. Et quand j'ai vu ça, alors là, je me sens chez moi. Et c'est vrai, je me suis senti chez moi. Je suis pas un pécateur qui flatte les gens. Vous vous lancez au Cameroun, je ne flatte pas les pasteurs. Je suis très dur avec les pasteurs. Très dur. Amen. Je dis avec les pasteurs, très dur. C'est aussi mon ministère, amen. Parce que mon ministère n'aime pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mon ministère aime l'autre. Amen. On donne la parole et l'ordre dans l'église. Vous voyez comment d'où je sors. Amen. Donc, Dieu bénisse les pasteurs. J'ai aimé cela et mon esprit a aimé ça. J'aime les prières. Je suis un prieur. 3h, 6h. Amen. C'est bon? Amen. 3h, 6h. C'est l'heure des démons. C'est ça. Donc l'homme qui l'a, c'est un prieur. C'est un jeune âgé, jeune. Si vous ne croyez pas moi, je crois que le jeûne est encore important. Alléluia! Voilà, donc Dieu bénisse. Donc ce soir, quand je prie le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire à ce peuple? Je veux dire quelque chose pour aider ce peuple. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et je me suis attendu à Dieu et il m'a dit de parler du témoignage. Amen. Donc ce soir, je vais témoigner. Amen. J'ai deux témoins qui me concernent et on va lire un témoignage de Frère Branham. Amen. Et soyez très attentifs. Chaque fois que j'ai fait ce témoignage, quelque chose arrive dans la salle. Amen. Oh. Chaque fois que j'ai lu ce témoignage, quelque chose se produit toujours. Donc à vous de saisir la chose. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Alors on va se lever rapidement. Je suis pas un brigadier qui est long. Non, je suis pas long. Je donne l'essentiel à l'église. Ce n'est pas de trop parler qui fait la chose. Le madame dit que peu importe la petitesse de l'évangile, si Christ y est, il y a le résultat. Amen. Ça c'est fait, madame. Ce n'est pas de prêcher long, de démontrer long. 2 minutes, mais ce qui est dedans, il y a le résultat. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, on va lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8. C'est un peu étrange cette lecture ce soir. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Je pose à soi, je vais lire dans. Bon, c'est dans votre Bible, c'est écrit comme je vais lire là, mais vous donnez l'autre version en anglais, vous comprenez, parce que je lis beaucoup en français et en anglais pour avoir le contexte. Amen. Je lis second. Psaume 119, verset 46. Je parlerai de tes préceptes, ailleurs c'est de tes édits, devant les rois et je ne rougirai point. Ça, c'est dans notre Bible. Maintenant, en anglais, il dit, I will speak unto testimonies also before kings and will not be ashamed. Maintenant, Darby nous dit, et je parlerai de tes témoignages. Oui, maintenant, c'est restauré avec ce qui est dans l'anglais. Et je parlerai de tes témoignages devant des rois et je ne serai pas honteux. Amen. Donc, j'ai voulu donner un petit titre à mon sujet ce soir. Et j'ai utilisé ça de ce témoignage dans une brochure. Vous allez voir tout à l'heure où j'ai pris ça. De toute façon, on n'est pas là pour chercher un peu le Seigneur, on est là pour prêcher la parole. Amen. Le titre, c'est « Il se trouve que l'ange du Seigneur t'a entendu. » Il se trouve que l'ange du Seigneur t'a entendu. Il se trouve. Et je pense que chacun doit croire que l'ange du Seigneur l'a entendu. Amen. 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 Mais avant d'entrer dans le sujet ce soir pour prêcher, je vais donner quelques témoignages de moi parce que j'ai promis à Dieu que chaque fois que je prêcherai, je le dirai pour encourager les gens. Aujourd'hui, on n'entend plus de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le monde est tellement jonché de mauvaises nouvelles. Israël est en guerre avec la Palestine. La Russie est en guerre avec l'Ukraine, merci mon fils. Le Cameroun est en guerre avec la partie anglophone. Le Congo est en guerre avec le nord du Congo. Le monde entier souffre. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Alléluia. On loue la radio, c'est le problème. Tu es en train d'attendre le métro. Tu regardes, il y a eu explosif, il y a eu agression, tu vas aux États-Unis, non, on a tué de l'envoi. Finalement, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais je crois que dans la maison de Dieu, c'est l'endroit où on devrait avoir la bonne nouvelle. Donc, ma frère, madame, dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Lorsque vous venez aujourd'hui avec la pression des patrons, la pression de vos familles, la pression de tout ce qu'on a dehors, il faut que ce soir, tu entends une bonne parole. On demande amen ce soir. C'est pour ça que je crois que quand je viens à l'église, c'est pour me recharger. Amen. Frère, madame, dit que l'évangile, c'est de dire à l'église ce qu'elle doit faire, pas ce qu'elle ne devrait pas faire. Même le prédicateur est des gens qui ont une interdiction. Ne faites pas, ne faites pas. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est dire ce qu'elle doit faire. Amen. Et les gars, ce soir, que la perfection t'appartient. Amen. 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 Alors, je vais juste un petit témoignage. Et continuer. J'ai aimé quand le pasteur Alfred a parlé d'Abraham. Et j'ai une église qui a commencé les années 2000. Et lorsque j'ai commencé là-bas, quand les anciens m'ont envoyé là-bas pour l'heure, parce que cette église ne marchait pas, j'étais parti. C'était une église dans l'eau. Ceux qui sont peut-être passés partout, je passe, il y en a qui moi, je connaisse. Parce qu'ils sont amis avec moi à Facebook, parce que j'ai publié il y a une année. Et beaucoup, je ne croyais pas à cette image. Beaucoup ont cru que c'est une image montée. Donc, j'ai persévéré dans l'eau pendant 12 ans. Mon église était dans l'eau. Mon église, il dit dans l'eau. Donc, quand il pleut, moi, je prêche dans l'eau. Je suis dans l'eau, je prêche. Pendant 12 ans. Les images sont là. Donc, quand je prêchais, je fais la paix à l'hôtel, les gens disent, je vais bâtir dans l'eau à l'église. Et puis c'est fini. Amen. J'ai environ 12 ans. Là, comme j'ai dit, n'aie pas honte de l'évangile que tu as reçu de moi. Amen. Les quartiers m'ont insulté. Même les prédicateurs de la ville m'ont insulté.
Mais il n'a pas de vision, ce garçon. Il n'a pas de vision, mais il fait quoi avec l'aiguille dans l'eau? Il ne comprenait pas, frère. Si vous travaillez parce que les hommes vont vous apprécier, détrompez-vous. Amen. Travaillez parce que vous aimez le Seigneur. Rendez témoignage de ce que Dieu a fait avec vous. Et Dieu sera content. Il se pourrait que Dieu t'a entendu. Les gens ne savent pas que dans mon lieu secret, je priais Dieu de changer la condition de l'église. Amen. Et ma propre condition. 12 années, 12 adorations. Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme critique? Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme médisance? Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme abandon? Mais je suis resté à persévérer parce que je croyais que le Dieu de William Branham est le vrai Dieu et qu'il m'écoute. Amen. Et Dieu bénit le peuple qui m'a donné, les anciens qui m'a donné, ils sont restés avec moi. Il pleut. Parfois je laisse comme ça le conseil, m'appelle le pasteur, la pluie est tombée. Je dis, quel état de l'eau? Il dit, l'eau à 1,5 m. Il dit, ok, j'arrive. Je demande ma voiture, j'arrive. Le guide m'attend comme ça, parce que le guide est dans une vallée. Quand j'arrive, je regarde, je dis, ok, je viens devant comme Moïse. Je me tiens devant. Tout le quartier sont sortis, ils attendent, on voit ce que le pasteur fait. Est-ce que je dis, comme le beaucoup monté, ils ne vont pas faire le culte. Je fais la main comme ça. Quand il fait ça, moi, je rentre dans l'eau. Avec mon costume, tout le coup, déchets, chaussures, je rentre dans l'eau. C'est bon. On a fait 22 ans. Et un jour, alléluia, un jour, un matin dans la prière, le Seigneur me dit, j'ai vu ton témoignage, oh j'aime ça, j'ai vu ton témoignage, j'aime la manière que tu me sers, là où tu te trouves une vision, je vais faire la route là-bas. J'ai dit, mon église était à la limite d'une rivière, donc l'eau montait. Mais comment Dieu me fait la route là-bas? Sur l'église, j'ai dit ce soir ce témoignage. Je sais pourquoi Dieu me parle, peut-être à cause de quelqu'un, mais je ne parle pas pour rien. Amen. Quelque chose, quelqu'un a besoin là, et il m'a dit de parler de ça. Amen. Lorsque l'église était proche d'une rivière, il n'y a pas moyen que la route passe là-bas. Non, pas moyen. Mais il m'a dit, la route passerait, on monte l'église, consulte un carrefour, l'église n'était pas un carrefour. Il me sait comment est-ce possible que tu verras. Avec les lampadaires posés partout, les lampadaires, je dis, l'église est éclairée. Je dis, non, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais c'est comme tu as dit, je crois. Amen. Il se pourrait que l'ange t'ait compris. Amen. Il se pourrait que ton cri ce soit que l'ange t'a compris. Frère, ne baissez pas les bras. N'aie pas honte de ce message. N'aie pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. N'aie pas honte de ce que tes pasteurs vous prêchent. Alléluia. Rendez témoignage. Amen. Il n'y a rien qu'on peut me donner qui s'abandonne cet évangile. Alléluia. Amen. Même dans ma propre famille, j'ai des milliardaires, ils ont tout fait. J'ai dit, j'aime le prophète Branham. J'ai témoigné de ce message. Partout, je vais dans le monde entier, j'ai témoigné de ça. Écoutez. Je suis rentré, j'étais à l'église. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Comme frère Branham, mes anciens ont douté. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment le pasteur peut dire qu'il est pas des songes? Il récite d'or et dit qu'il a vu que l'église est en jugement. Attention les gars, je vous dis que l'église était à cet endroit. Ils ont douté. 3 ans après, lorsque eux-mêmes, je suis en voyage, lorsque eux m'ont vu, le gouvernement a commencé à marquer les maisons, à marquer les maisons, à marquer les maisons, à tracer le marquage, mais là on va casser les maisons pour faire la route. J'étais pas là. Je suis à mon bureau un soir, je vois les anciens entrer en groupe, et personne ne veut te voir. Il y a quoi les anciens? Non, on veut mettre votre vie en ordre. Votre vie en ordre, les anciens qui sont. Votre vie en ordre, il y a quoi? Et le pasteur, en fait, souviens-toi en 2012, quand tu nous as dit que. La route, l'église était au carrefour, il y avait la lumière, il y avait le goudron, il y avait tout ça. Nous, on a murmuré, il dit, monsieur, gars, quand il reste parfois ses enfants, le trouble, il dit n'importe quoi. On a murmuré, mais ce soir, on a vu les engins commencer à faire le travail. Et on a compris que tu avais raison. On vient se repentir. Alors, je parle aujourd'hui, peu importe les inondations de Douala ou du Cameroun, mon église n'est plus inondée. Amen. Je suis au carrefour comme Dieu l'avait dit. Il y a les lampadaires comme Dieu avait déclaré. Amen. Je garde ma voiture devant mon église. Avant, je garais à 700 mètres et je marchais à pied par l'église.
Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? Amen. Je voudrais déclarer à quelqu'un ce soir, notre Dieu est le vrai Dieu. Amen. Lorsqu'il promet, il réalise. Peu importe ce qu'il t'a promis, frère, attends, ma soeur, attends, il va réaliser la chose. Amen. Deuxième témoignage. Je suis marié en 2008. Ma femme n'en parlait pas. Vous êtes africain d'enfant? Ce n'est pas les Canadiens, ce n'est pas les Américains. Hein, je ne sais pas comment les Canadiens ici. L'Africain a l'enfant. Un an, pas d'enfant. Elle enfante sa soeur, elle enfante sa soeur, elle enfante sa soeur, elle enfante sa soeur. Alléluia. Après, elle fait une grossesse extra-utérine, on coupe la trompe. Terminé. Mais j'ai dit, je prêcherai ce message. Je ne vais pas me décourager. Satan ne peut pas me décourager. J'ai continué à rendre témoignage que mon Dieu est bon. J'ai continué à rendre témoignage que Jésus est vivant, que Jésus est dans les enfants. Un jour, ma femme me dit, chérie, je ne comprends pas. Tu baises les mains de tes enfants, ils accouchent, ça ne te dit rien. Je dis, chérie, ça ne me dit rien. Car c'est Dieu qui donne. Mmh. Oublie l'enfant. Quand Dieu gère le monde de l'enfant, il donnera l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était septembre 2012. Encore 2012. Le Seigneur, en pleine église, je crois aux prophéties. Je crois aux dons secondaires. Amen. Je crois, ça m'engage. Hein? Peut-être que ben, je crois. Il y a un jeune homme qui ne prophétise pas à l'église. Il n'a jamais prophétisé. J'étais allé Seigneur avec les diacres. Il vient, pasteur, il me dit, mon serviteur, j'ai vu ta foi. J'ai vu comment tu as rendu témoignage de moi. Même quand tu souffres à l'intérieur, tu as dit aux gens que je suis vrai. À cause de cela, je dis, il a dit, ce garçon dit, ta femme a fait 4 fausses couches. Il ne connaît rien, les fausses couches, c'est un garçon de peut-être 18 ans, on connaît bien. Je dis, ah, ça c'est Dieu ça. Mais maintenant, moi l'éternel, je vais visiter ta femme et elle aura un fils. My God. Je dis, ok. Il n'y a pas de problème. J'ai noté. Lorsque je rentre dans l'église, à la fin, on le congédie par une soeur. Cette fois-là, c'est une soeur qui prophétise. On la connaît. Ainsi par l'éternel, mon serviteur, elle répète la même chose que le frère répétait. Je vais visiter ta femme, elle aura un fils. Oh, alléluia. Le même mois, elle a conçu. Elle conçoit souvent, mais ça sort. Maintenant, elle n'a plus de trompe. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a conçu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Oh là, c'est de sérieux là. 7 mois, c'est de 8 mois, 9 mois. Ça va me dépasser. Alors un jour, je dis, elle va au contrôle. Et pendant qu'elle est au contrôle, le médecin m'appelle. Il dit, monsieur le pasteur, je vous attends à la clinique immédiatement. Il y a quoi, docteur? Donc, viens rapidement. Je viens rapidement. Pendant que je suis à la clinique, il me dit, c'est l'engagement. J'ai dit, quoi là? Il dit, on opère ta femme. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'échographie, l'enfant n'est plus dans le liquide amniotique. Le cornet est coupé depuis, on ne sait pas comment l'enfant vit. Je dis, l'enfant, c'est Dieu qui a donné. Donc, l'enfant va vivre. Amen. Fais ton travail. Alors, on a mis l'enfant au bloc. On a ouvert le ventre. On a sorti l'enfant. C'est pas ça que moi. L'enfant est sorti. Il n'a pas pleuré. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais le docteur me dit, pasteur, je veux te voir. Je viens dans son bureau. Il me dit, ce que j'ai vu dans le ventre de ta femme, le ventre, enfin, il y a quoi? Elle est sorcière, il y a quoi? Il dit non, il y a quelque chose là. L'utérus de la femme était inversé. Donc elle ne devait même pas porter un enfant pendant 9 mois. Je ne sais pas si ça existe. Ça fait 17 ans que je suis médecin, que je vais accoucher, mais je n'ai jamais vu ce que j'ai vu dans le ventre de ta femme. Il prend 2 feuilles de format blanc. Il fait le dessin de l'utérus normal d'une femme. Il dessine. Il prend le deuxième, voilà comment pour ta fête, c'était inversé. En fait, quand elle conçoit, ça devrait sortir. Je ne comprends pas comment elle a gardé l'enfant à plus de 9 mois. J'ai dit, monsieur le docteur, je suis très content qu'on ait ce témoignage, parce que c'est un enfant ainsi que le Seigneur. Amen. C'est Dieu qui a parlé et cet enfant est venu. Mais il fallait que la science découvre que quand Dieu parle, rien ne peut empêcher à cet enfant de venir au monde. Amen. Quand il est né, j'ai dit, il s'appellera Manassé, Jesse Manassé Péniel. Jesse dans ma langue, il me dit le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. Manassé, ça veut dire quoi?
j'ai oublié. Péniel veut dire la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Sur le chemin de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai tout oublié. Donc, il m'a fait oublier mes souffrances et tout. C'est pour ça que, frère, moi, je pense que quand Paul a dit à Timothée, nous ne devons pas avoir honte de ce message. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner ce que nous sommes. Nous ne devons pas avoir honte de dire ce que Frère Branham a dit dans les bandes et les brochures. On ne doit pas avoir honte de déclarer ce que notre pasteur nous enseigne. Peu importe où nous sommes, peu importe où nous allons, en famille, à l'école, au travail, on doit témoigner. Amen. Car Dieu entend ce que nous disons. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la foi. Comme on dit que ce n'est pas la foi pour la guérison, mais pour tous ces miracles. Comment on espère avoir la foi dans l'avènement? Voilà pourquoi tout doit commencer ce soir. Et ma présence ici ce soir, merci pasteur, c'est de cimer votre foi. On peut se dimanche peut-être, Dieu voulant. Mais ce soir, Dieu me conduit à rendre ce témoignage. Je sais pour qui je rends ce témoignage, mais je sais que ça concerne quelqu'un. Amen. Alléluia. Il se peut que Dieu t'a entendu, que l'ange t'a entendu. Amen. Peut-être que quelqu'un a dû le prier dans le secret. Mais je vais te dire ce soir, il se peut que Dieu t'a entendu. Amen. Il se peut que l'âme de Dieu t'a entendu. Amen. Alléluia. Peut-être que tu poses la question, est-ce que le Dieu de Branham est vrai? Est-ce que tout ce que le pasteur dit soit est vrai? Il se peut que Dieu t'a entendu. Amen. Ça c'est Frère Branham. Alléluia. Paul dit, n'aie pas honte. Nous ne devons pas avoir honte de ce message. Peu importe où nous sommes. Nous devons toujours relever le défi. C'est pas mauvais. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Dans le témoignage de cette femme. Une femme qui était le frère Branham. Elle a relevé le défi pendant que les gens insultaient frère Branham. Elle a dit, ça ne peut pas se faire. C'est vrai que je suis en train de mourir. Je suis en train de partir. Je suis en train de partir. Et là, pour moi, rien ne s'est produit. Mais je continue à dire que frère Branham est un vrai prophète. Amen. Alléluia. Amen. Quel genre de foi. Amen. Et même si je meurs, je suis en train de partir, je sais que je vais mourir. Amen. Mais William Branham était un prophète. Amen. Ah, si c'est nous aujourd'hui, le pasteur a peur pour moi, je ne sais pas si il y a l'onction. Mais c'est sûr, quand tu as témoigné que Frère Branham était un prophète, pendant que ses collègues se moquaient de Frère Branham, elle a dit, je vais relever le défi. Et il se pourrait que l'ange a entendu son témoignage. Amen. Et a dit, tu ne vas plus mourir. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen ce soir? Quelqu'un peut dire amen ce soir? Amen. Laissez-moi donc libérer le couloir de ce témoignage. Voilà pourquoi j'ai lu 2 Timothée chapitre 1 pour dire, frère, n'ayons pas honte de ce message. Ni de ce que le pasteur enseigne, n'ayons pas honte de le déclarer. Pourquoi j'aime les chrétiens qui parlent de leur pasteur? Qui n'a pas honte de ce que le pasteur lui dit. Amen. Amen. On va le voir tout à l'heure pour que je vous dis qu'on n'a pas honte de ce que le pasteur prêche, de ce que le pasteur vous enseigne, de ce que frère Branham nous a dit. Amen. On doit faire très attention. Nous devons relever le défi, rendre le témoignage parce que c'est pour vrai que l'ange de Dieu soit en train d'écouter. Et c'est vrai, l'ange écoute parce qu'il est écrit dans la parole que l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, tu penses que Dieu fait des choses qu'il n'entend pas? Non. Alléluia. Un jour, frère Périgueux rendait un témoignage au Congo. Je crois que je suis pas dit. Il rendait ce témoignage. Il disait qu'un jour, alors que frère Branham était en train de traverser entre Nouveau-Mexique et l'Arizona pour aller dans une ville, et dans cette poste frontalier, on le traçait par un certain fruit. Mais frère Branham a tracé ce fruit, on l'a donné au poste. Alors, monsieur le prophète, avez-vous les légumes ou les fruits dans votre voiture? Frère Branham a dit non, sans savoir. Il a traversé la frontière, il est parti. Le lendemain matin, il se réveille pour nettoyer la voiture. Il se rend compte que le fruit était dans la voiture. Qu'est-ce que frère Branham a fait? Il a pris chemin de trouver le frère Branham. Tu ne connaissais pas frère Branham. Mais frère Branham, tu n'as pas menti, tu ne connaissais pas. Il dit, mais j'ai dit qu'il n'y a pas de fruit, et pourtant il y a le fruit. Oh, quel prophète. Quel prophète. Est-ce que j'aurais pu faire ça moi? Et il a dit, mais frère Branham, tu as dit non parce que tu ne savais pas. Donc en tant que tu n'as pas menti. Le fait de dire, mais j'ai dit qu'il n'y a pas, pourtant il y en avait. Frère Branham a fait un retour de près de 240 km
pour aller au poste leur dit qu'il avait le fruit dans sa voiture. L'autre est au poste, mais tout madame, ça va, tu sais pas. Il dit non, mais je vous ai menti. On dit, oh, ça va, frère madame. Lorsque Péricle était embêté, il dit, mais frère madame, pourquoi tu fais ça? Il dit non, frère. Frère madame me dit à Péricle, Dieu m'a élevé à un niveau avec lui, au point où tout ce que je fais, il voit. Amen. Tout ce que je fais, il voit. Donc, il ajoute et dit, notre justice est une souillure aux yeux de Dieu. Donc, tout le monde que je suis juste, non, laissez que Dieu témoigne de votre justice. Amen. Amen. Pourquoi je dois te témoigner? Pour dire que Frère Branham n'est pas l'homme qu'on pense négliger. Frère Branham est tellement important. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Je dis sa vie, oui, frère. Il s'est consacré pour que ce message atteigne le monde entier. Nous devons témoigner de la véracité, de la puissance qu'il y a dans ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a l'homme dans ce message. Il est parti, mais l'homme n'est pas parti. Donc quand tu rends témoignage, l'ange écoute. J'ai dit quoi? L'ange écoute. J'ai lu ce témoignage dans le message. Remplissez la vallée de fosses. Péché le 9 juin 53 au soir. Une dame de mon église, Frère Bilin, une madame Weber, elle mourait de tuberculose. Elle était au sanatorium, au dernier étape. Ils l'ont renvoyée chez elle pour qu'elle meure. Pour qu'elle meure. Donc toi, tu es pas quoi la tigre, la mort. Hein, quand le médecin dit que tu vas rentrer pour mourir, c'est la mort. Oh, merci Seigneur. Ils n'ont rien pu faire pour elle. Madame Grace Weber a tiré son ville. Elle vivait juste au-delà au tabernacle. Et elle avait 5 ou 6 petits-enfants. Alors l'ange du Seigneur vint me voir ce soir-là et dit, va dire à Madame Weber, à Monsieur Weber, c'est ce qu'il conjugue, je lis comme c'est écrit, plutôt de préparer les choses. Donc quand Dieu est un enfant de Dieu, je lui dis, un enfant de Dieu n'est pas surpris par la mort. Un vrai fils de Dieu n'est pas surpris. Il connaît qu'elle est partie. Il va faire des choix à l'église, il va faire des réparations, à se repentir, à mettre sa vie en ordre. Il y a quelque chose qui se passe dans ce frère. Amen. Alors, il dit, prépare les choses parce que ta femme est partie. Amen. Alors, là, je vais me voir ce soir et dit, va-t'y à monsieur Weber, plutôt de préparer les choses. Car il va rester avec ses enfants entre ses mains. Car sa femme s'en va. Ça, c'est très mon homme. Parle ainsi, dit le Seigneur. Parle ainsi, dit l'ange. Amen. On lui donne ce témoignage. Alléluia. Eh bien, je suis allé dire à M. Robert, j'ai dit à sa femme, à sa petite fille, la petite Jeanne, Jean-Rose, qui est maintenant une infirmière. Elle était alors toute petite. Elle est une jeune femme maintenant. Cela fait 7 ans ou plus. J'ai dit, maintenant, Jenny, ta mère va mourir. Elle ne vivra pas. Mais il n'y a qu'un peu de temps qui lui reste. 2 jours après cela, ou 3 jours, il y avait des dames du dépôt gouvernemental là-bas, où elle travaillait. La suite, très gentiment ça. Elles sont entrées. Et grâce, Madame Weber dit, si je pouvais seulement avoir Frère Bill. Oh, j'aime ça. Si je pouvais avoir Frère Billy. Hein? Ça, c'est la soif de quelqu'un qui s'en va, mais elle veut voir Frère Bill pour la dernière fois. Est-ce qu'elle va avoir cette soif? Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Écoutez le gratuit témoignage. Pour qu'il prie pour moi encore une fois. Elle ne s'est pas découragée. Malgré que la science a déclaré qu'elle s'en va, elle ne s'est pas déclarée. Elle avait la foi que Frère Bill peut prier pour elle et elle. Retour à guérison. Même comme Dieu a dit à Frère Bill qu'elle va mourir, mais elle veut quand même que Frère Bill prie pour elle. Amen. Elle ne s'est pas moquée de Dieu. Elle ne s'est pas moquée de son pasteur. Elle a gardé la foi. Amen. Les situations quelquefois nous amènent à vraiment régner la foi, ne le faites pas. Dieu parfois nous éprouve pour voir
comment on va, quelle attitude on aura face au problème qui dure. Ne nous décourageons pas. Quand Dieu dit que le message est vrai. Amen. Alléluia. Elle dit, j'ai vu quand ma cousine, remarquez un peu, pour qui plus encore, elle dit, j'ai vu quand ma cousine Opal a été guérie de ce cancer. Et le médecin l'avait donné jusqu'au matin pour vivre. Voyez, elle se tient sur un témoignage de sa cousine pour dire qu'elle aussi, même comme le médecin a dit, même comme l'ange a dit, elle croit qu'elle peut guérir. Alléluia. Et sa fille a également un grand infirmière. Alors les filles du gouvernement où elle travaillait ont déclaré, il n'y a rien dans ce type-là. Là maintenant, c'est là le défi va commencer. Quelqu'un veut voir ce soir? Là le défi va commencer. Il n'y a rien dans votre pasteur. Il n'y a rien dans votre prophète. Non, là il a dit, je ne laisse pas ça. Alléluia. Mais peut-être que ça a été moi, dans ma condition d'épreuve. Ah, ce Dieu ne fait rien pour moi. Je vais me témoigner quoi? Comment on a dit, je suis là, je prie. Le prophète a prié, ça ne donne pas. On dit, j'en mourir, il ne peut pas. Non, elle n'a pas supporté ça. Suivez là le témoignage. Oh, alléluia. Amen. Elle a dit, elles ont déclaré, il n'est qu'un hypocrite. C'est tout ce que la religion représente. Ce n'est qu'un tas de faux fanatisme. Ont-elles ajouté? Et alors, Madame Weber a dit, regardez, regardez, je suis en train de mourir et je le sais. Amen. Mais je ne resterai pas tranquille pour cela. Elle a dit, je sais mieux que ça. Tout ce que vous dites là, moi je sais mieux que ça. Écoutez son témoignage. Elle a dit, j'ai vécu ici autour de cette ville, autour de cet homme, tout le temps. Je l'ai vu alors qu'il était un enfant. Et il grandissait. Elle a dit, je sais, elle a dit, vous pouvez appeler ça du faux si vous le souhaitez, mais je l'ai vu exactement comme ça. Et j'ai vu Dieu guérir le peuple. Amen. Elle a dit, je le connais, je connais sa vie. Amen. Amen. Je mets un point là-bas. Voilà pourquoi nous les serviteurs, nous devons avoir une vie agréable. Une Amen. Bonne vie devant les chrétiens. Amen. Et vous aussi, vous devez être aussi impacté par la vie qui quitte la chair. Amen. 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 Si le pasteur met une bonne vie, vous avez le droit de mener une bonne vie. Amen. C'est important aussi. Un témoin de la vie de Frère Branham. Il dit, je connais sa vie. Je l'ai vu grandir. Il était un jeune homme. J'ai vu gagner le peuple. Je connais sa vie. Pasteur, on doit connaître ta vie. Amen. C'est très important. Et si le pasteur a une bonne vie, vous devez mener une bonne vie. Amen. Parce que de cette chair, c'est la vie qui coule. Amen. 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 Je connais la vie de cet homme. Et je sais que c'est la vérité. Écoutez, paragraphe 5. C'est ça qui m'intéresse. C'est là que je m'en tiens. Et il se trouve que l'ange du Seigneur a entendu cela. Le fait qu'elle ait relevé le défi, le fait qu'elle n'ait pas eu honte, que malgré que je suis en train de mourir, et que les gens dénigrent le message de Frère Branham, et que les gens dénigrent Frère Branham, même comme je me mets, je vais relever le défi. Elle a dit, je ne vais pas rester tranquille, je vais mourir, c'est vrai, mais je vais dire un mot avant de mourir. Il se peut que ce témoignage a aimé, Dieu a aimé cela, l'ange de Dieu a aimé ce témoignage. Donne-moi le mettre ce soir. Amen. Amen. L'ange de Dieu, il se peut, il se trouve que l'ange du Seigneur, il se trouve que l'ange du Seigneur a entendu cela. Et oui, nous, parfois, dans les épreuves, on peut mieux le dire, ça. Ça arrive à tout le monde, même à moi-même parfois. Quand je suis dans une épreuve difficile, quand je suis dans l'eau, je vais partir dans l'eau, parfois je rentre dans mon bureau, je pleure. Et je dis, est-ce que tu existes? Ça nous arrive aussi. Je pleure, Moïse, je monte au bureau, je finis de prêcher dans l'eau, pendant 2 heures de sermon, je finis de prêcher, je monte à mon bureau, allez, parce que c'était en haut, et puis je vois à pleurer, je pleure, Seigneur, pourquoi mes choses sont difficiles comme ça? Alléluia! Pourquoi mes choses sont toujours difficiles comme ça? Mais Dieu, il se trouve que Dieu m'écoutait, que Dieu voit mon témoignage, et il voit aussi mon témoignage. Alléluia!
Et le soir même, suivez-vous, madame, assis sur le côté de ma chaise, dans la pièce, après que je me suis levé, il va entrer en vision. Et je suis allé prendre un verre d'eau vers 3 heures. Non, ça, c'est l'heure de prière. Ouais, 3 heures, c'est l'heure de danse, hein? 3 heures, c'est nous. Ouais. Amen. Mais 3 heures du matin, et que je me suis assis sur une chaise, je l'ai vu. Oh, alléluia. J'aime cette manière prophétique de parler. Je l'ai vu venir marcher à travers la porte. Il a dit, demain dimanche, ça c'est l'ange qui dit à madame, demain dimanche, ils iront chercher madame Weber et l'amèneront ici. Elle sera assise du côté droit, loin au fond du tabernacle. Donc Dieu l'a monté, madame Weber, qui est à l'église. Suivez la suite. Il a dit, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Donc, frères, mes soeurs, mes frères, Dieu nous voit, Dieu nous entend. Amen. Peu importe dans quel fond de la vallée vous trouvez, elle se mourait. Elle était dans un état de désespoir. On lui a donné quelques jours à partir. Mais remarquez, ça veut dire que même dans son état, Dieu était à côté. Même dans son état où elle partait, Dieu était à côté. Quand elle dit de toi et moi ce soir, on n'a pas qu'à mourir. Peut-être c'est une petite épreuve. Peut-être les choses tiennent un peu. On peut déjà se décourager. Non, il se peut que Dieu t'ait écouté. Amen. Il se pourrait que Dieu t'a entendu. Ne vous découragez pas, frère. Alléluia. Écoutez, je l'ai entendu. Et dites-lui que je l'avais entendu. Ce qu'elle avait dit. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé de son serviteur. Donc, ne nous fatiguons pas de parler de frère Branham. L'ange aime qu'on parle de frère Branham. Alléluia! Amen. L'ange aime quand on parle de notre pasteur. L'ange aime ça! Elle n'a pas parlé de Dieu. Je veux qu'on se comprenne très bien ce soir. Elle n'a pas parlé de Dieu. Mais elle a identifié un homme qui prêche la parole de Dieu. Elle a dit, cet homme, je le connais. Je connais sa vie. Depuis l'enfant, je l'ai vu grandir. Il a prié pour les gens qui ont guéri de cancer. Et Dieu a aimé. Amen. Est-ce que l'Église comprend ce que je dis ce soir? Amen. Je dis, c'est ce qu'il a voulu que vous prêchiez ce soir. On va prêcher dimanche. Mais je veux élever la foi de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et dites-lui, maintenant l'ange envoie ce moment, va lui dire que je l'ai entendu. Je l'avais entendu. Et va lui dire, ainsi dit le Seigneur, elle vivra, elle ne mourra pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mortel comme toi et moi a reconnu la puissance de ce message. Elle a reconnu la droiture de l'homme de Dieu. Elle a rendu témoin avant on a ses collègues. Quand on méprisait frère Branham, on méprisait ce message. Elle a dit, même quand je meurs, je ne laisserai pas les gens m'appeler mon prophète. Amen. Et l'ange a entendu ce témoignage et a renvoyé frère Branham. Voilà pourquoi nous croyons que le message que nous croyons n'a pas d'erreur. Aucun homme n'a le mandat de corriger ce message. Amen. Voilà comment Dieu a dit à Abraham, va lui dire qu'elle va mourir. Et c'est le même Dieu qui dit à Abraham, va lui dire qu'elle ne mourra pas. Amen. C'est frère Abraham qui est le correcteur de ce message. Amen. Lui seul est rien que lui. Amen. Amen. Encore Philippe l'a dit, si Dieu t'a mandaté pour corriger ce programme, tu n'as rien à faire parce que ce message n'a pas d'erreur. Et je crois que ce message n'a pas d'erreur. Amen. C'est la même chose quand Dieu a dit, c'est quoi, c'est Ézéchias, c'est quoi? Qu'il va mourir. Quand Ézéchias est venu dire qu'il va mourir, quand il s'est retourné. Remarquez qu'on a même le même scénario. Ézéchias se retourne, la Bible dit qu'il se passe contre le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu. Il dit, remarque Seigneur, quand j'étais ici, j'étais fait ceci, j'étais fait ceci. Il a rappelé à Dieu les exploits qu'il a eu avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'avant que Ézéchias ait fini le corridor,
Dieu lui a dit, retourne, dis à mon serviteur que je lui ai augmenté 15 ans. Aucun homme n'a le droit de corriger ce message. Aucune femme n'a le droit de corriger ce message. Ce message n'a pas d'erreur. L'ange est dans ce message. La puissance est encore dans ce message. Que je vous délivre. Je veux raconter un témoignage. J'ai fait les grands missionnaires depuis 2007. Mais je le faisais en Afrique. Un jour, je serais prié pour un malade. Il ne croyait pas, c'était le petit frère d'une sœur de mon église. Et de la dénomination. Quand j'ai prié pour lui, le pasteur de sa femme est venu dans la salle. Pendant que je sors, ce monsieur me suit, je ne sais pas si c'est le pasteur. Il me suit, et après il dit, et je vois, je m'arrête. Parce que je vais avoir connu le langage que Dieu vous parle aussi. Ça va? Vous devez être aiguisé aussi. Parce qu'on a dit, on ne veut plus. Si les gens prient, c'est le patriotisme. Si une femme se connaît pas dans ce. Non, frère. Tout ça est dans le message. Amen. Si vous croyez le message, il y en a tout dedans. Les dons secondaires doivent exister dans les corps. Amen. 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 Je ne sais pas que je suis. Que je crois les prophéties comme les autres. Non, c'est-à-dire il y a l'ordre dans l'église. Amen. Comme ce fut l'église maintenant. Je sais que vous croyez parce que vous êtes une église Saint-Esprit. Mm-hmm. Et je vois. Tu veux voyager à l'étranger, mais tu hésites parce que tu n'aimes pas le chèque. C'est vrai, tu n'aimes pas le chèque. Il dit ainsi, par l'Éternel, va et donne le visa partout où tu vas aller, tu auras le visa. Mm-hmm. D'abord, je dis, écrivez, je me suis mon bureau. De 2013 à aujourd'hui, aucune ambassade n'a fait le visa. Donc lorsque Dieu parle, il réalise. Même ton problème, Dieu est capable de solutionner ça aujourd'hui. Même ce soir. Mais rendez témoignage de ce message. Frère, je crois que je dois beaucoup à ce message. Je dois beaucoup au Seigneur. Je ne peux pas lui donner. Au niveau qu'il a fait pour moi, c'est impossible. Donc pourquoi je le sais, mes frères. Je fais tout ce que je peux faire pour garder ce message pur dans ma vie. Amen. 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 Laissons Dieu parler par ce témoignage. Il dit, voilà pourquoi elle ne mourra pas, elle vivra. Il dit, voilà. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. Cela fait environ 7 ans. Voyez-vous? Sa présence était là quand elle prenait position. Sa présence est là. Amen. Tu peux croire ton point tellement difficile que Dieu ne l'écoute pas. Il dit sa présence est là. Amen. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Même ton cas, ce cancer, sa présence est là. Amen. Alléluia. Vous ferez comment pour me décourager dans ce message? Vous ferez comment pour lui que je ne crois plus ce message? C'est impossible, frère. Vous ne pouvez pas me décourager, frère. Même quand vous, tout le monde entier, que ce message est faux, je vous abandonnerai. Je resterai avec ce message. Parce que ce que j'ai vu ce message faire dans ma propre vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans mon église, je ne peux pas abandonner ce message, frère. Je vous exhorte, frère, à garder ce message pur. L'homme puissant est sur le terrain. Et il vous écoute. Il vous entend. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi continuer. Sinon, on va faire beaucoup de commentaires. Alléluia! Amen. Sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était juste. Amen. Voyez, sa présence était là. Et il a trouvé. Alors, il est venu et m'a dit. Ce qu'elle avait dit. Donc là où je viens de dire à frère madame ce que la dame a dit. Quel prophète! Quelle puissance! Quel message! C'est-à-dire, là où je dis à Branham, le témoignage, le défi qu'elle a relevé, qu'elle n'a pas eu hors de ses collègues qui sont dans l'administration, dans le gouvernement, non parce qu'elle s'habille dans les voitures, on s'en fout de cela. Quand il faut parler de mon Dieu, frère, qui que vous soyez, je parlerai de mon Dieu.
Je parlerai de mon pasteur. Je parlerai de son message. N'ayez pas honte. Car il se trouve que l'ange de Dieu t'écoute. Il se trouve que l'ange de Dieu soit là. Et je crois qu'il est là. Amen. Alléluia. Il est venu et il m'a dit ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit à ses femmes. Et avait dit point, point, point. Écoutez maintenant. C'est cette partie qui m'intéresse. Si je lis pas ça, je ne suis pas content. Pourquoi l'ange a aimé cette femme? Est-ce que parce qu'elle a peur de Jésus? Il n'y a pas Jésus, parce qu'elle a mentionné, il n'y a pas Jésus dedans. Elle a peur de son pasteur d'un homme. Est-ce qu'on comprend? Amen. Elle a parlé de frère Branham, pas de Jésus. Non, non, de Jésus, de Branham, de frère Branham, du message. Quand on le critiquait, elle a dit, je connais cet homme depuis son enfance. Je connais sa vie. Il a prié pour les gens qui ont guéri, j'ai vu. Même si je me meurs, je témoigne quand même. L'ange a écouté. Écoutez pourquoi l'ange a aimé. Frère Branham dit, et il a respecté, donc l'ange a respecté la dame, parce qu'elle respectait ce qui représentait Dieu. Amen. 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 Voilà Amen. La conclusion. Amen. Elle a respecté. Oh. Amen. Je veux prêcher la parole chrétienne. Amen. J'ai envie de changer mon sujet ce soir. Pour la parole chrétienne. Mais ce n'est pas le moment de prêcher cela, frère. Je peux élever la foi de quelqu'un. Donc elle n'a pas parlé de Jésus, pasteur. Elle n'a pas parlé de. Elle a parlé d'un homme appelé Branham. Donc n'ayez pas honte de parler de frère Branham. N'ayez pas honte de parler de votre pasteur. Amen. Parce qu'il prend Branham. Témoignez de ce fait. Je connais mon pasteur. Je connais. Il a fait ci, il a fait ça. Dieu aime ça. Amen. Car l'homme est l'agent de Dieu. Le programme de Dieu, c'est l'homme, Dieu dans l'homme. Vous œuvrez. Oh, en tout cas, ce n'est pas ça mon sujet. Laissez-moi lire cela. Et il a respecté l'ange, il est mis pour l'ange. Il l'a respecté parce qu'elle respectait ce qui représentait Dieu. Amen. Donc, en parlant du prophète, elle respectait Frère Branham. Elle l'honorait, Frère Branham, parce que Frère Branham représentait Dieu. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Mais vous voyez comment l'ange, bien dit, elle a respecté ce qui représentait Dieu. Non, le pasteur représente Dieu. Amen. Frère Branham, cet âge représente Dieu. Amen. C'est qu'il est, je ne demande pas. Amen. Donc, Dieu fera la même chose pour toi. Amen. En l'autre décrit. Vous le croyez de la même que je le crois. Amen. Il voit la même chose pour toi. Moi, je crois que la même chose pour moi. Amen. Il se peut que Dieu t'a écouté ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Non pas pour me respecter, mais pour lui, Christ. C'est lui qui est mort pour votre guérison. Si vous pouvez accorder du respect pour lui et sa gloire, Dieu fera le travail pour vous. Amen. 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 Vous voyez que le fait de pouvoir rendre témoignage pour un homme, parler de ce message, Paul de la Timothée n'est pas honte. N'est pas honte. De l'évangile de Saint Jésus-Christ, il ajoute. Et de moi. C'est bon. J'entends de Jésus. Mais moi aussi. Et là, je souffre avec moi. Paris est en prison. Dieu aime cela. Paul écrit que Timothée était en prison. C'était la fin de ses jours. Donc quand on a 2 Timothée 3, il parle de, j'ai connu le bon combat, la foi. Il est parti déjà. Mais il donne une exhortation à Timothée. Il n'est pas honte. De l'évangile que je t'ai prêché. N'aie pas ce honte de moi et de souffrir avec moi. Je vais ce soir dire à l'église, si vous respectez ce message,
Si vous honorez ce message, Dieu vous honorera. Amen. Si vous respectez votre pasteur, si vous honorez votre pasteur, Dieu vous honorera. Amen. Ce soir, ce que je vous dis, pas de témoignage. Dimanche on pêchera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Applaudissez encore le Seigneur. Amen. Applaudissez très fort. Très fort. Les témoignages. Amen. Oh, man. Que Dieu bénisse beaucoup l'homme de Dieu. La réunion a bien commencé, n'est-ce pas? La réunion spéciale a très bien commencé. N'ayez pas honte de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ni de moi, Paul, son prisonnier. Amen. Amen. La sœur a témoigné seulement des frères Branham. Amen. Et l'ange a aimé cela. Amen. Et je vais aller encore plus loin. Pas seulement témoigner du frère Branham, pas seulement témoigner du pasteur, mais les témoigner aussi entre vous. Témoigne de ta sœur, témoigne de ton frère, Dieu aussi fera la même chose. Amen. Bien les uns les autres. Que Dieu aime quand vous témoignez. Amen. Quelque chose qu'il fait avec ton frère, avec ta soeur. Amen. Oh, j'ai beaucoup aimé la foi. La Bible dit, hein, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Va me dire que même si y a une, tu souffres comment, si tu n'as pas de foi, la parole ne peut rien faire pour toi. Écoute, amen. C'est ainsi dans la réunion des frères. Voilà. Même les gens qui ne croyaient pas au message, mais quand ils venaient avec la foi, Dieu guérissait. Ayez la foi. Et quand Jésus lui-même marchait, comme le pasteur a dit, il ne veut pas parler de Dieu dans la chair humaine. Quand Dieu était dans la chair humaine, amen. Quand il marchait sur la terre, il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Amen. Ce soir, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu vas témoigner des frères maintenant? Est-ce que tu vas témoigner de ton pasteur, de ton église, de ton frère, de ta sœur? Et que tu témoignes, c'est peut que l'ange soit là-bas. Et alors il amènera des rapports à Dieu. Oui, dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. La victoire, allez, alléluia, 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 à Jésus la gloire. Thank you.
croyez que la parole est vraie. Et que ce qui a été prêché ici ce soir est la vérité. Amen. Alors je vous prie que chacun prie le Seigneur. Dites, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et j'ai